Bonjour, mon nom est Paul Choiry. J'ai été conseiller municipal et chef d'opposition officiel à la Ville de Québec pendant plusieurs années. Et mon implication dans le monde municipal ici à Québec m'a permis d'être sensible à la cause de la protection en vélo et de la protection des cyclistes. D'autant plus que j'ai accepté d'être ambassadeur pour Défi Tête la Première. Le 26 mai 2016, alors que je roulais à vélo sur la bande cyclable du chemin Saint-Louis ici à Québec, un automobile est entré dans la bande cyclable venant du sens inverse et m'a frappé. Lors de la collision, j'ai passé par-dessus le véhicule automobile et c'est ma tête qui a frappé le sol en premier. Alors, le casque que j'ai ici aujourd'hui, c'est le casque que je portais. Le casque s'est fendu en quatre endroits et a absorbé le choc. Donc, il a fait ce pour quoi il a été conçu, protéger ma tête et prendre la majorité du choc. Malgré tout, j'ai perdu conscience. J'ai fait une commotion cérébrale, j'ai eu des séquelles, j'ai eu des traitements. Mais je peux dire que lui, t'étais du casque, mes blessures auraient été beaucoup plus graves. Alors, je vous encourage tous et toutes à porter le casque de vélo, à encourager la cause de Défi Tête la Première et à encourager les personnes autour de vous de porter le casque à vélo lorsque vous faites du vélo sur la route, dans les bandes cyclables, dans les pistes cyclables. C'est sûr et certain que ça va vous protéger. Quand je pars à vélo, jamais sans mon casque. Alors, portez tout le temps votre casque lorsque vous faites du vélo.